Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 36ème épisode de Mario Odyssey sur Switch, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, on s'est quitté la dernière fois, c'est-à-dire devant l'Odyssée au pays du lac qu'on avait terminé d'explorer à fond, 50 sur 50, 42 sur 42. Et aujourd'hui on va partir à notre prochaine destination, le pays des nuages que nous allons explorer à fond. Ça devrait être un épisode relativement court dans la mesure où je pense pas qu'il y ait des masses de lune à trouver là-bas. On va faire le chemin et on va voir ce que ça donne, donc nous arrivons à 522 lunes. Ça commence à chiffrer, mine de rien, ça commence à chiffrer. Et on y va en mode All I Want Again, direction le pays des nuages. Je veux dire, par défaut, deux lunes. Bon, vous savez quoi, on va essayer de trouver les deux premières lunes par défaut avant d'aller faire celle du bloc. Just for lulz. Alors rappelez-vous, c'est à cet épisode-là, donc on avait brièvement exploré ça à l'épisode 9. Bon bah ça... On n'avait rien récupéré parce qu'on a vu le premier combat avec Bowser, donc là je vais même pas faire la mention de vous avez pas trouvé un guide à 100%. Là c'est un guide à 100% de la région parce qu'il y a que ça quoi. Je vais dire, voilà, c'est la taille du truc. Il y a portrait craché, collecter plus de lunes, deux lunes à trouver. Alors je vois Peach, ça en fait déjà une. On va aller lui dire bonjour. Salut princesse. La vue est vraiment superbe d'ici, j'ai l'impression d'avoir le monde entier sous les yeux. Cet endroit ressemble à un oreiller, l'endroit parfait pour une petite sieste. J'ai trouvé une lune tout à l'heure, je crois que tu en fais la collection, non? Tiens, je te la donne. Yay! Peach au pays des nuages. J'ai entendu parler d'une île mystérieuse complètement perdue, je me demande bien à quoi elle ressemble. Ok, c'est le pays perdu. Eh ben, je pense, hein, il y a un jeu, il y a un tuyau... Je pense qu'on va aller là-dedans pour la deuxième lune. Ok, faut refaire un portrait de Goomba. Salut. Portrait craché, portrait craché. Qui veut tirer un beau portrait? Si tu parviens à remettre les différents éléments à leur place, je te donnerai une lune. Tu veux essayer? Bah ouais, vas-y. Fantastique, je t'en prie, monte sur la scène. Laisse-moi t'expliquer comment se déroule une partie de portrait craché. C'est simple, l'objectif est de remettre en ordre les morceaux de bouillie qui ont été éparpillés. Ok. Pour ce faire, utilise la chapimorphose afin de déplacer et de faire pivoter les différents éléments. A chaque fois que tu places un élément, il disparaît. Plus les éléments sont placés, plus tu gagnes de points. Ok. Pour l'emporter, tu dois avoir 60 points. Très bien. Alors, donc c'était ces trucs-là. Pivoter vers la gauche, pivoter vers la droite. Tu vas plutôt à droite. C'est un œil droit. Je pense qu'il était comme ça. On va prendre l'autre. On va pivoter un peu vers la gauche comme ça, je dirais. On va le poser. Ensuite, il nous faut les sourcils, c'était les espèces de virgules Nike. J'ai fait un placement de produit, j'ai parlé de Nike. Et je crois qu'elles étaient quelque chose comme... Comme ça? On va essayer. On va pivoter un peu vers la droite, peut-être plutôt... Comme ça, et il ne reste plus que les dents qui sont normalement orientées vers le haut, comme ça. Allez, voyons ce que ça donne. Viens parler quand tu as terminé. Qu'est-ce que ça donne? Oui, j'ai terminé. Voilà, c'est pas mal. 76. Peut mieux faire, mais c'est pas mal. Ça se trouve, les sourcils devaient être dans le mauvais sens. Ouais, parce que là, il a l'air plus désespéré que méchant. Allez, donne-moi la lune. Portrait craché, fais-moi un Goomba. Voilà, donc les deux lunes qui sont là de base, on les a eues. Alors bien sûr, l'épisode n'est pas terminé, puisqu'on a encore le bloc à aller voir. Mais vous avez vu que c'était quand même relativement rapide. Je veux dire, ça nous a pris 4 minutes pour choper ces deux lunes. Maintenant, on va s'occuper du bloc. Alors, je suis curieux de voir combien de lunes il renferme. Il ne doit pas en renfermer des masses. Bah, je dirais 5. C'est vrai que ça fait des gros oreillers ces plateformes quand même. Alors, hop! Combien de lunes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a une pas très loin là-haut. On va commencer par celle-là, puisqu'on est juste à côté. Alors, ok. Saut sur des plateformes nuages, tout va bien. Doucement, doucement. En plus, c'est vrai que t'as pas... Hein ? T'as pas beaucoup de temps, fuck.
Fugitifuc, on reprend où du coup? On reprend au niveau du bloc, on reprend à l'Odyssée. On reprend là, bon, c'est-à-dire comme ça on peut s'occuper de cette lune vite fait. Hop. 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 Et. Hop. Et là je peux faire comme ça, récupérer la clé qui fait popper la lune de l'autre côté. Et maintenant, on fait le retour. Alors là je joue safe bien sûr en prenant toutes les plateformes. Voilà. Hop. 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 Parfait. Enfin, on n'a pas encore la lune en main. C'est chose faite. Pas à pas dans la mer de nuages. Bien. Alors après, voyons voir où est la plus proche sur la carte. On va juste revenir sur la plateforme centrale. Est-ce qu'on a près de l'Odyssée, tiens? Non, on n'en a pas. Par contre, on en a une sur l'îlot à droite. Enfin, l'îlot qui est là-bas. Je pense qu'on va commencer par cet îlot, comme ça après on peut se concentrer sur la plateforme centrale. Ce sera pas mal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ah, d'accord, c'est un symbole, c'est le symbole comme quoi on peut... comme quoi on peut donner un coup de cul. Ok, donc on va donner un coup de cul. Et on a des notes. Oh, d'accord, faut balancer Capi sur les notes pour les récupérer. Ah, il faut en donner un coup de cul. Ok, oh. On va avoir plusieurs sur le même chemin, comme ça c'est pas très très bon. Est-ce que je peux l'avoir sur un dernier passage? Je crois que je l'ai eu. Yes! Parfait. Et on remet un coup de cul pour aller choper la lune. Hop là! Course aux notes de haut en bas. Effectivement. Effectivement. Allez, on redescend. Alors, regardons un peu sur la carte. La plus proche est sur notre gauche. What? Ah, d'accord, ça vibre. Ici? Là? Ici. Non? On se fie aux vibrations, apparemment. Non. Ici. Là. Voilà. Suivez les vibrations de la manette ou du Joy-Con et vous devriez trouver. Donc enfui dans un coin de nuage. Ensuite, ah, il y a une nouvelle partie de portrait craché à faire. Bah allons-y. Donc là, je pense qu'il faut être un peu plus précis, genre 75, 80 points, quelque chose comme ça. Donc faut juste que je revoie. Allez, je vais refaire, une. Tu augmentes un peu la difficulté, ouais. Alors, regardons, ouais, donc du coup, ouais, c'est effectivement, ils étaient complètement dans l'autre sens, ils sont vraiment en mode comme ça, ok. Et les yeux doivent être alignés, ça m'a l'air d'aller. Ok. Allez, c'est parti, donc on prend. Je vais commencer par les dents. Non, c'est pas ce que je veux. Je veux les dents. Donc, qui sont comme ça. Ah, et en plus, ils retirent le visage, donc je pense que les dents sont... Ouais, ici, ça me paraît bien. Ensuite les yeux, pivoter vers la droite, donc comme ceci, je sais pas, je le verrais bien là. Et l'autre œil, il serait quelque part par là. Donc ensuite, les sourcils, donc il faut les mettre, apparemment ils sont comme ça, si j'ai bien compris, ils sont comme ça. Non, ils sont... Ils sont comme ça, je... Non, ils sont comme ça, je crois. Non? Comme... J'ai complètement oublié comment étaient les sourcils. En plus, il y a moins de 5 minutes. Alors, ici... Comme ça? Et puis l'autre, on va le mettre quelque part par là. Oh, ça va être moche. Oh, ça me rappelle un jeu de Mario Party. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est pas si mal. 80 tout pile. Oh yes. Ça passe. 80, ça passe. Oh, cette chance. Oh, cette chance. C'était une chance insolente, ça. Portrait craché, un Goomba épatant. Je suis pas sûr qu'il soit épatant. Hein.
Non, c'est la position des dents qui a fait que... Enfin bon. Ensuite, on est légèrement sur notre gauche, donc par ici. Oui, par ici. Qu'est-ce qu'il y a par là? Non. Je l'ai passé. Ici, elle serait pas au-dessus. Quelle est? Bon, au pire, on va aller faire les deux de la cheminée là-bas. Et après, on s'occupera du cas de cette dernière lune. Ouh, un niveau en 2D avec des éclats de lune. Et bon, on va se marrer, je crois. C'est parti. Voilà, bon, je vais pas tout péter. Et donc, il y a une deuxième lune cachée quelque part par là. C'est bon à savoir. Hop, tranquillou. Hop, on descend. Salut les gars. Hop, on passe tranquille. Alors, je me demande s'il n'y a pas un truc là-haut. Genre une intersection qui permettrait d'atteindre une deuxième lune. Non. Bah, du coup, on va s'occuper d'envoyer le coup pas tout péter. Voilà, pète-moi tout petit coup pas. Parfait, troisième éclat de lune. Ah, je crois que c'est là qu'on a notre intersection. Déjà, je prends le quatrième éclat de lune. Ouh, c'est pas bon ça. Hop, on remonte par ici. Faire gaffe, il y a une flamme. Voilà. Il n'y aurait pas un bloc caché quelque part ici. Voilà. Parfait, ils nous en mettent même deux, parce qu'ils sont gentils. On va aller voir par là. Ok, la lune cachée ici, il faut qu'on s'occupe de Fuzzy. Avec des Fuzzy. Je vais les laisser passer. Et hop, on récupère la sixième face du cube. Voilà, là, on est pas mal. Et hop, la boum. Et il nous reste plus qu'à aller en bas pour justement la cinquième face et le cinquième éclat de lune. Qui est tout à l'envers. Eh, le frère marteau, viens ici. Eh, le frère marteau, t'es moche. Voilà, du coup je vais te casser la figure parce que t'es rien qu'un méchant. Ok, un bloc avec plein de pièces qu'on va prendre. Voilà, cinquième éclat de lune et avec ça on devrait pouvoir sortir. Récupérer l'autre lune et il faut qu'on résolve le mystère de la dernière. Par contre oui je préférerais faire ça moi. Hop. Et on récupère donc cette lune là. Roi du cube. Et il nous en reste donc plus qu'une à trouver. C'est la combien qui nous manque? Regardons sur la carte, c'est la 4. Et la 4 est quelque part par ici. Elle est à côté du tuyau. Bon, du coup, le taux ne peut pas m'aider à passer pas un scintillement. Ah, ou peut-être un oiseau. Non. Ici. Je sais même pas si... Non, ça je l'ai déjà eu. Il n'y aura pas d'autres plateformes qui seraient... Oh, attends. Non, ça on l'a déjà fait. Mais il n'y aurait pas d'autres... Attends, je suis en train de me dire. Ah, elle est là-haut. Ok, attends. Elle est là-haut. Ah, attends, je suis en train de me dire, est-ce qu'avec le truc qui nous fait alors au bas, en haut ou en bas, on verrait pas des plateformes? C'est vrai qu'on s'est focus sur les notes, mais est-ce qu'il y a des plateformes? Ah ah, eh. Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, bah voilà, comme ça le problème est résolu. Et la dernière lune, on va la choper. Regardez, je vous avais dit que ce serait un épisode court, hein. À peu près un petit quart d'heure. Bon là, ça qui est bien en plus, c'est qu'il n'y a pas de matière à couper, tout a été fait quasiment du premier coup. Enfin même, je dirais même du premier coup, à part cette lune là qui était un peu plus difficile à trouver, mais à part ça tout va bien. Et attention, avec l'obtention de cette lune, pouf, au très haut dans les nuages, nous avons terminé le pays des nuages à 100%. Voilà, c'était rapide. Ça commence à chiffrer mine de rien les pays qui sont terminés à 100%. Allez, on va revenir à l'outil et je pense qu'on va déjà partir le prochain pays qu'on fera
au prochain épisode. Et je pense qu'on va aussi changer de tenue pour ce pays. Tenue d'invasion, c'est bien parce qu'on était dans les nuages, justement. Et là, un pays perdu. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme tenue au pays perdu? Qu'est-ce qui peut être bien? Qu'est-ce qui peut être bien? Tenue de marin, tenue de chef cuisinier, tenue de pain, tenue de samouraï, tenue 64. Hey, pour le Luz, allez, pour le Luz, la tenue de vendeur. Voilà, pour le Luz, je vais mettre... Attends. Ouais, non, pour le Luz, tenue de vendeur. Allez. On l'a pas encore portée, celle-là. Quoique non. Non, non, ça, ce serait bien de la porter à New Dong City. Parce que c'est là que vient Crazy Cap. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme autre tenue? Chapeau de clown. Ah, vas-y, on va se mettre... On va se mettre en footballeur américain pour foncer dans le tas. Voilà. Ce qui collerait aussi bien avec New Dong City, étrangement. Voilà, on est pas mal. Et du coup, on va se téléporter. Donc on va mettre les 9 lunes qu'on a trouvées dans l'Odyssée. On va grimper à 531. Voilà. Et on va partir au pays perdu où on va déjà terminer. Donc du coup, depuis le pays des chapeaux, ça nous fait 1, 2, 3, 6 pays terminés. Direction le pays perdu. Juste pour avoir une idée d'où on en est. On cassera le bloc la prochaine fois, évidemment. Allez, le petit vaisseau, l'objectif c'est mon doigt, c'est bon. Donc Toxil. Voilà. Et c'est donc ce qui va nous occuper la prochaine fois. Oui, alors le rocher, il est... Il est où? Il est loin, ok. Juste que je regarde où on en était, il nous manque 12 lunes et 9 pièces feuilles. Ok, très bien. Bon, et ben du coup les gens, nous, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Je vais disparaître le temps de faire la outro. Et il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé ce nouvel épisode de Mario Odyssey. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, si vous pouvez le faire savoir en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Sinon non plus, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler à la chaîne autour de vous si le cœur vous dit tout ça, vous le savez. La petite cloche notification, ça fait plaisir. Et en attendant la suite de nos aventures, on va aller récupérer toutes les lunes et les pièces violettes qui nous manquent au pays perdu. Et bien, je vous remercie une fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.